Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce second épisode sur Little Nightmares. Et nous nous étions arrêtés à un endroit qui me semblait, ma foi, très compliqué. Alors on va étudier les patterns. Là je suis bon. Il y a quelque chose qui a l'air d'avoir collé ces personnages. Alors, il fait que... Non, d'accord, il a trois... 3 positions. Cours, cours, cours! Ok. Ensuite, où est-ce qu'il faut que je vais? Oh putain. Oh, ça s'est joué à si peu. D'accord. Et là, on a un petit pote, j'ai envie de dire, un gars de notre cité, quoi, qu'on doit aller aider. Alors, mon gars, je sais pas comment je vais faire. J'ai très peur d'ouvrir ce tiroir. Ah non, ah oui, putain, j'ai oublié que je pouvais faire ça. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, même si ce jeu ne me rassure guère. Je pouvais m'accrocher ici parce qu'il y a un petit rebord, mais bon, c'est quand même un petit peu haut. J'ai peur. Là, il va me voir. Bah voilà. J'ai allumé ça et maintenant. Ah, tu penses? Attends, attends, attends. Est-ce que ces petites poignées, je peux m'y accrocher? Pas ça. Là, les cages. Voilà, nickel. Le game design est bien foutu, hein. Je dis pas que c'est non plus du génie, mais... Ah, ça me fait un peu mal au cœur de pas pouvoir libérer le petit bonhomme, là. Mais bon. À la guerre comme à la guerre. Ouais. C'est à mon avis très très rare de devoir effectuer des demi-tours. Sauf pour trouver cette pièce. On a toi. Ah! Et je viens de réfléchir. Peut-être qu'il faut casser ces trucs-là. Du coup, la première qu'on avait rencontrée, bah dans le premier épisode, littéralement, ça ne marchait pas. Parce que... D'accord, on va... Ah! Je suis collé! Je suis collé ou je suis pas collé? À quoi ça me sert? Hormis pour la petite figurine que je viens de... La poupée même. La poupée en céramique. J'ai pas le réflexe de courir avec carré, hein. Je suis désolé. Ça viendra avec le temps, mais là... J'avoue que c'est pas très... Ça s'ouvre pas. C'est pas très intuitif. Non mais le pauvre gars, comment on fait? J'imagine que je peux pas redescendre. Ah mais... Qu'est-ce que tu es, toi? Moi, je cherche pas à blablater ici, ok? Et il respire bizarrement, non? Le premier PNJ me met une angoisse terrible. Je suis sous la lumière. Et j'ignore s'il va repasser ou non. Ah, je peux pas m'accrocher ici. Cette respiration là.
Oula. J'aime vraiment pas ça. Tout ce qui est respiration au creux de l'oreille et tout. Oh. Ça me fout les poils. On est d'accord que là, je vais tomber. Tant mieux. C'est rigolo parce que le ciré fait exactement ce bruit-là quand moi je marche. Je préfère quand c'est silencieux. Mais là, c'est trop calme. J'aime pas trop, très beaucoup ça. Est-ce que je peux me glisser là? Il y a l'air d'avoir une grille en moins. Et ma lumière passe à travers ce tuyau, tu vois. Comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Je sais pas si je me fais comprendre. Bon. Apparemment, on peut y aller. Oh! On a faim peut-être. C'est ça? Bon, moi j'essaye de parkour un peu partout. Ah, c'est... Soit j'ai faim, soit c'est parce que la matière noire m'a touché. En tout cas, on va pas très très bien là-dessus. Ah, c'est la cantoche! Est-ce qu'il me voit? Oh, trop sympa! Mais en fait, vous êtes pas méchant? Par contre, ils sont bien plus grands que moi. Merci. Est-ce qu'on peut voir ta tête? Non. Quel dommage. Merci, champion. T'es un champion, champion. Ah, par là. Non? Merde. Le mec qui est en difficulté devant la non-énigme. Ah, c'était réconfortant, mais du coup... Du coup, on sait qu'ils sont pas méchants. Pas confiance en ces douches, moi. Pour ça que j'ai un ciré. Votre eau, là... Votre eau. M'inspire pas confiance. D'accord, je peux pas l'emmener avec moi. Et toi? Yep. Pile au moment où j'allais dire il n'y a pas de fond, ça m'a coupé le sifflet. Très bien. Cuillère. Ah oui, d'accord. Ah, on est passé à un autre niveau de parcours là. C'est bien, je suis au sortir d'Assassin's Creed Syndicate. Du coup, je suis pas trop perdu là-dessus. Voilà. Ok. Saut de la foi. Et maintenant? Ah! D'accord. Il fallait y penser. Mais j'y ai pensé. Il doit sûrement y avoir quelque chose là-bas. Non? Jusqu'où je vais? Y a-t-il un but à ma vie?
mon avis, on va juste sauter ici. Il y a une petite échelle, si je ne m'amuse. Ok. J'aurais peut-être pu utiliser l'échelle, remarque. Alors, je vais me permettre de boire une petite gorgée de thé là, parce que ça va me réconforter. Parfait. Alors, on a ce petit déclencheur et celui-ci. Je serais d'avis que pour l'énergie, c'est celui-ci en premier. Puis celui-là. D'accord. Tout est une question. Non, il va un peu trop vite. Reviens, reviens, reviens. Ça va être compliqué, hein. Surtout que la touche pour courir, c'est carré. Si je le mets juste là. Est-ce qu'il s'en va là? J'ai oublié de sauter. On va rester bien safe au milieu. On sait jamais. Nickel. Je sais pas si je suis un génie ou si c'est juste pas très très compliqué. J'imagine que c'est parce qu'on est qu'au second épisode. J'ai entendu des bruits de pas là. N'hésitez pas à mettre un casque, hein. Et à vous plonger dans l'obscurité. Ça peut faire plaisir. Non. Ah là là! Cette fâcheuse manie de d'attraper les trucs avant. C'est bloqué? Mais non, saute! Pourquoi des fois elle a, le personnage accroche des trucs? D'accord. Non. Il y a un petit temps de réponse entre le moment où j'appuie. Mais pourquoi tu fais ça? Je suis bloqué du coup, non? Ah là là! Je suis pas très fan de ces touches, hein. Le mec se plaint tout le temps en fait. Ok, il va falloir être précis. Ça tombe bien, c'est mon deuxième prénom. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça fait plusieurs fois que... Ah, c'est un cendrier avec des cancers ambulants. Ok. Le champion s'élance. Une réussite. Hello? Je vais aller. Oh, t'es là. Ah, donc j'aurais pu vraiment lui ouvrir la cage. Et où tu vas? Est-ce que c'est lui qui fait ce bruit-là? Ah. Ben alors? Pourquoi tu restes ici?
pourquoi tu vas pas à la lumière? Bon, j'imagine qu'il est libéré. J'ai pas eu de d'achievement particulier. Ah! J'ai paniqué. Je croyais qu'il y allait avoir qu'il fallait avoir un bon timing et puis en fait non. Je suis à cran. Je sais pas pourquoi mais aujourd'hui je suis à cran. Ah, fallait bel et bien descendre. Bon. C'est ce qu'on appelle du speedrun, messieurs dames. Ah non, bah non. En fait, plus je tombe. Ah, on est heureux là. Ah, j'ai eu peur qu'il faille tout refaire. Quand je dis que j'ai eu peur, c'était une vraie peur intérieure, tu vois, genre une angoisse. Et une lumière mouvante. J'ai peur. Qu'on se le dise. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a fait si peur. D'accord. Niveau timing, ça se pose là. Ah! On the edge! On the edge. Repars sur la gauche un petit peu. Merci. Oh, vache. Vacherie. Non! Pour la fortuna! Non, par là. Eh, je suis quand même fort. Hein. Cette façon de réagir sous le stress, moi j'en connais très peu qui en seraient capables. Alors, c'est grand. Ah, vous êtes des potes. Je sais pas si c'est vous qui avez ouvert, mais... La prison, j'ai débloqué un trophée, la prison. Peut-être un nouvel endroit. Ou peut-être étais-je dans la prison? Ça me semble peu probable que nous étions dans la prison jusqu'ici parce que dans le dortoir des enfants, eh ben ils étaient tous ensemble en fait. Donc peut-être un orphelinat sur un bateau. Étrange. Même celui qui était à la cantine au final. Ça faisait un peu. Bon bah réfectoire ça peut faire très bien école comme prison, mais bon. Comprenez quoi. On va toujours plus haut. Mon instinct me dirait de passer par cette porte lumineuse. Mais mon goût pour l'aventure, non. Problème, c'est quand la caméra s'éloigne un petit peu là, bah tout devient microscopique. J'aime bien cette musique. Ah merde, je l'avais. Et tout ça pourquoi? Alors j'arrive à monter à des endroits moi mais ça ne mène à rien. Faut aussi que j'ai le réflexe de faire gaffe à la hauteur pour ma taille. Enfin pour la taille du personnage.
Alors j'imagine que je suis passé à côté de quelque chose en bas. Hein. On verra si on peut revenir. Non, on va descendre quand même. On va descendre par, par acquis de conscience. Parce que cette porte... On sait jamais, il y a peut-être un bonus, quelque chose. Ok. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Mais par où il passe? Ouais. Donc ça, on peut l'ouvrir. Ça, je peux monter, mais pas ouvrir. C'est ça que tu essayes de me dire? Yes, ça a de la physique. Bonne nouvelle. Je peux m'accrocher, mais pas avancer. Ah, donc cette petite lumière, j'aurais pu la porter au... au petit triangle. D'accord, moi je découvre... Je découvre le jeu petit à petit en fait. C'est là. Hein. Eh ben nickel. Non. Voilà. Hé. Tu sais, je me suis dit, ça se trouve, il va m'enfermer. Genre, bon bah voilà, maintenant que t'es dedans. Bah, j'ai envie de dire... Tout ça pour ça, dans cette pièce. Ouais, ça m'a l'air d'être tout. Tu m'enfermes pas, hein? Où est-ce qu'il est maintenant? Bah j'ai plus qu'à fermer ça moi. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. En plus, ils font pas de petits bruits pour me donner un indice. Ah, peut-être ça. Attends. Voilà. Parce que j'ai mon permis chaise. N'empêche, c'est un réflexe assez amusant parce que, à mon avis, il y a pas mal de gosses qui ont fait ça étant plus jeunes. Et donc, du coup. Ah non, bah non. Ça ne mène à rien. Rastapopoulos. D'accord. Et là. D'accord. Bloqué. Celui-ci? Mais qu'est-ce que ça veut? À quoi ça rime tout ça? Moi, je me pose beaucoup de questions là-dessus. J'imagine qu'il doit y avoir quelque chose là-haut, là. Vous voyez, sous les petits cartons. Ma lumière ne monte pas jusque-là. C'est embêtant. Bon. Bah écoutez. Je sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire du tout. Si j'emmène ça. M'en voudront pas les propriétaires.
D'accord, donc fallait bien s'en aller. J'avance bizarrement tout de même. Tu es là? Non. On va l'emmener avec nous. Je sais pas quoi faire. Et comme souvent dans les jeux où je ne sais pas quoi faire, je note notamment Everybody's Gone to the Rapture. Eh bien, c'est des jeux que j'apprécie au final parce que rien n'est indiqué. Et le fait de me laisser chercher comme ça, c'est très plaisant pour moi. Hop! Get ça, get ça! Goal, 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 goal! Ça me fait penser au décor. Alors c'est peut-être lié, mais à une chanson, du moins un clip de Korn, le groupe, hein, en collaboration avec Corey Taylor. Je crois que la chanson c'est A Different World. Different World. Pas facile à prononcer. Mais c'est cette esthétique me fait penser à ce clip. Alors. Et maintenant, il y a un truc qui coule. J'avais l'impression que quelqu'un prenait sa douche. Du coup, je n'osais pas forcément avancer. Ah! On voit rien! C'est fait exprès, j'imagine. Gauche ou droite? Bah! C'est un échec! Nous sommes à 6 morts. Garcie mort. C'est bien, je pense qu'on a un totem d'immortalité. C'est mieux qu'un totem d'immunité. Alors, une fois que je suis en haut. Non, non! Putain. Bon, on va pas passer par là, j'ai bien compris. Hein. Tell me, tell me. Je me rappelle plus des paroles hein, de Different World. Mais en tout cas, ça m'y fait tellement penser que j'arrive à avoir une chanson dans la tête rien qu'avec un décor. Ah, il y a une clé. Ah, mais c'est lui qu'on a vu là dans le dortoir. Qu'est-ce qui fait que ça? Are you an hamster? Or what? Hop! J'étais conscient. Ah ouais. Et qui c'est le plus con au final là? Get ça, je te pique tes chaussons. La serrure est relativement haute. Hop, il saura pas où c'est. Non mais attends, qu'est-ce que je dois ouvrir? Que dois-je ouvrir au final? La clé, c'est pourquoi? Peut-être que juste cette valise me suffira. Ouais, j'ai des doutes, hein. Non, reprends. Bon,
Là, tu fais pas d'effort, hein. Voilà, là tu montes. Là tu prends ça. Et là. Mais j'ai l'impression que c'est une serrure ce cadre. Non? Je sais pas trop, hein. Bon écoutez, on va s'arrêter ici pour ce second épisode. Je vois qu'on est déjà à 30 minutes. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. A très très vite. Ciao!